Bien, mais, Monsieur le Président, Monsieur le CEO, Messieurs les membres du comité exécutif, bienvenue pour cette célébration d'une opération qui n'est quand même pas très courante dans notre marché et qui est l'augmentation de capital combinée finalement de Solvay et de Solvac, qui tout d'abord a été une grande réussite. Je pense que le travail a été bien fait, il a été bien soutenu dans une période qui finalement était quand même la période de fin d'année. Donc je pense que les actionnaires de Solvay ont acheté moins de cadeaux pour pouvoir vous confier leur argent. Quelle responsabilité. J'espère donc également que toute la famille a mis sous l'arbre de Noël des actions Solvac et des actions Solvay pour les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants peut-être pour certains. Donc je pense que ce serait une excellente idée pour participer et conscientiser également la famille, mais je pense que vous arrangez ça très très bien. Alors Solvay est évidemment une société qui est cotée déjà depuis pas mal de temps et c'est la première fois qu'une opération de telle envergure a lieu. Après la fusion avec Rhodia, la reprise de Rhodia, je ne sais pas comment on le dit, mais comme, je dirais que comme j'ai un Français à côté de moi, disons la fusion quand même. Hein. Disons une acquisition. Une acquisition de Rhodia. Il est né de l'ancien Overname. Donc, ce qui est frappant aussi, c'est que je pense que nos CEO belges manquent parfois d'ambition parce que je remarque il y a d'autres sociétés qui ont des CEO français et que à partir de ce moment-là, on commence à ouvrir l'esprit pour des reprises et des opérations qui sont quand même un peu plus ambitieuses que ce que nous avons l'habitude en tant que petits belges de faire. Donc je pense que la combinaison belgo-française porte ses fruits et je ne peux que féliciter les actionnaires belges et français, d'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a beaucoup, pour cet état de fait. Alors, une belle augmentation de capital. Maintenant, je voudrais voir si Jean-Pierre, tu parviens à clôturer les marchés de manière aussi convenable. Donc, je dirais 4, 3, 2, 1. Voilà. Entre nous, je pense que c'est une séance qu'on était pressé de clôturer. Alors, j'ai vu effectivement l'évolution de la bourse ce matin, y compris d'ailleurs depuis le début de l'année. Je dois dire que je me disais la semaine dernière, alors que j'étais en voyage raconté à Jean-Marie avec mes enfants au Japon, je me disais, tiens, on va peut-être pouvoir clôturer et sonner cette cloche avec un cours de bourse à trois chiffres. Malheureusement, l'évolution depuis lundi et les inquiétudes autour de la Chine ne nous permettent pas d'être dans cette situation-là. Donc peut-être simplement quelques mots autour de ce projet. On a eu l'occasion les uns et les autres d'en parler un petit peu depuis lundi. Mais je pense que c'est vraiment un super projet. Et le projet, c'est bien sûr la transformation du portefeuille d'activité de Solvay grâce à l'acquisition de Cytec. Le financement de ce projet en mobilisant les différents marchés qui étaient disponibles autour de nous, le marché des obligations, le marché des obligations hybrides et puis le marché du capital en se retournant vers nos actionnaires, ce qui est une première dans l'histoire du groupe, au moins pour des montants aussi significatifs, et quelque chose qui a permis de montrer le très bon alignement entre la vision du management du groupe, la vision bien sûr de son conseil d'administration, ça c'est assez naturel, si l'alignement n'était pas là, il faudra en tirer des conséquences et on sait lesquelles, mais également un alignement très fort avec nos actionnaires. Et je pense que c'est vraiment un projet stratégique qui est complexe. On a accepté de payer cher une acquisition d'une société de très grande qualité qui nous permet effectivement de faire une rupture qui est très importante dans le processus de transformation du groupe et d'amélioration de son portefeuille. Et je pense qu'on a pu le faire grâce à notre structure actionnariale et grâce à la qualité du dialogue que nous maintenons avec les actionnaires de référence du groupe.
Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voudrais souligner en particulier devant les Nicolas, ou derrière Nicolas, voilà. Et, mais aussi les membres du conseil de Solvay et de Solvac. Je pense que j'avais l'occasion de dire, quand j'ai pris ces fonctions de CEO du groupe, que j'étais particulièrement intéressé par la gouvernance très particulière. Nous sommes aujourd'hui le seul grand groupe de chimie et probablement un des rares grands groupes industriels qui est ce type de structure d'actionnariat avec des actionnaires familiaux qui sont présents depuis 6-7 générations, 150 ans, un peu plus maintenant, 152. Et je crois que c'est quelque chose qui est exceptionnel et qui permet effectivement au management de proposer des opérations stratégiques avec une vraie vision de moyen et de long terme. Et ça, je crois que la manière dont ce projet s'est réalisé a montré la réalité de la force de ce modèle de gouvernance. Et je crois que c'est vraiment ça qui est important, plus que savoir si on est franco-belge ou belgo-français. Je crois qu'on a en tout cas un enracinement très fort ici, à Bruxelles, grâce à nos actionnaires, parce que le quartier général du groupe est ici, et parce qu'au fond, piloter un groupe mondial, ça se fait très bien depuis la capitale de l'Europe. Donc, merci à tous ceux qui ont rendu cette opération possible, nos équipes. J'ai eu l'occasion de dire que même si elles sourient, et je les croise depuis quelques jours, souvent avec un verre de champagne à la main, jusqu'à la fin du mois de décembre, c'était plutôt avec une tasse de café et l'air un peu fatigué, mais il y a vraiment eu un travail exceptionnel qui a été fourni pour rendre tout ceci possible. On a réussi en moins de 6 mois, entre le premier contact et la clôture de la dernière opération de financement, à faire une acquisition d'un petit peu plus de 6 milliards. C'est vraiment exceptionnel, et ça a été possible grâce à la mobilisation, au travail de nos équipes. Un grand merci à nos actionnaires. C'est eux qui, in fine, sont venus nous dire, en apportant, non pas devant le sapin de Noël, mais sur les comptes d'Euronext, les moyens qui montraient très concrètement leur alignement avec ces stratégies et leur volonté de participer aux prochaines étapes. Donc à nouveau, merci à Nicolas, aux administrateurs de Solvay et de Solvac, et au-delà, à tous nos actionnaires, bien sûr actionnaires familiaux de référence, mais également aux actionnaires financiers qui nous ont accompagnés dans cette opération. Et franchement, la partie des roadshows que nous avons réalisés en décembre a montré que nos actionnaires commençaient à comprendre, c'est un peu plus difficile en juillet, mais commençaient à comprendre ce que cette opération signifiait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on rentre dans 2016 avec un tout petit peu plus d'enthousiasme que ce que la couleur du tableau qui est derrière nous pourrait donner à penser. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu moins pessimiste que ne le sont les marchés financiers sur notre capacité à continuer à générer de la croissance. Je note juste une couleur qui dénote. Donc, mon ami Dominique Leroy, manager de l'année, a visiblement réussi à passer aujourd'hui sur les marchés un petit vent d'optimisme. Donc, on va attendre les prochains rendez-vous que nous avons avec le marché pour leur passer cette vision d'optimisme. Mais c'est vrai qu'on rentre dans 2016 avec le sentiment qu'il y a beaucoup d'opportunités devant nous. On est très content que les opérations financières soient réalisées. Et puis on s'attaque maintenant à l'intégration et à la poursuite de la transformation du groupe. Merci à tous ceux qui ont rendu cette opération possible. Merci beaucoup. La preuve que tu as fait. Excellent, nous avons un petit tombstone, comme on dit, avec une petite cloche. Donc, merci, alors, merci beaucoup. Vous demander, on va signer tout de suite. L'avantage de la couleur, c'est que vous pouvez montrer la cloche en Chine, parce qu'en Chine, ça veut dire que ça monte. Hein, oui, absolument. Ouais. J'ai pas de problème. Merci beaucoup. Voilà, et Karim va. Voilà, enfin oui, tout le monde peut signer, si vous voulez. Oui, tout le monde peut signer. Les témoins doivent signer le carnet de mariage, le contrat de mariage. Non, c'est vrai, proximité, ce détail, c'est quand même. Ça, c'est 3%. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé sur Proximus? Manager. Oui, manager, ça suffit. Bah oui, ça suffit. Un petit bout, sinon. Bon, en tout cas, merci. Merci d'être là. C'est très sympa. Et maintenant, on revient avec vous. Tout le monde a signé. Voilà. Je vais signer ça. Il est temps. Il est temps.